venue en hélicoptère, si c'est pas beau. Bravo les petits amis, vous avez bien fait, parce qu'aujourd'hui on va jouer avec un jeu avec des hélicoptères. Ça s'appelle Under Defeat, le nom m'était prédestiné, hein. Moi je suis né pour la défaite, je suis pas né pour gagner, je suis born to lose, comme on dit, et pourtant je ne suis pas né à Toulouse. Quel humour. Aujourd'hui nous allons donc jouer à Under Defeat, qui est un bon vieux shoot'em up des familles. Un shoot'em up comme Alex Pilote les aime, et d'ailleurs il m'a menacé pour m'obliger à faire cette émission. Moi je voulais pas au début, je suis pas très shoot'em up, il m'a dit non, tu vas voir, c'est super et tout ça. Ça va te rappeler Silkworm, les trucs de notre jeunesse. Moi, sur Amiga, j'aimais bien, à cette époque-là, tous les vieux trucs. Bon, alors, ça fait vraiment vieux, même si c'est le remake HD. Vous allez voir que... regardez, ça, c'est l'intro. Pas de musique, hein. Chut. Ah, rien. Pas un bruit, pas un bruitage. Des photos en noir et blanc un peu pour... c'est censé nous donner envie de jouer, et ça marche pas très bien. Après, heureusement, il se rattrape, croyez-moi, avec la musique et de l'action quasiment non-stop. Ça tire sans arrêt. Sauf quand vous arrêtez de tirer pour recharger, justement, on va voir ça, une arme secondaire. Voilà, Under Defeat. Allez, j'appuie sur la touche Start et vous allez entendre le premier bruitage. Qui n'est pas des plus originaux, mais bon, c'est pas grave, ça fonctionne quand même. C'est tout ce qu'on demande. Oh non, non, je ne veux pas aller sur le PlayStation Network m'humilier avec mon petit score. Je vais faire ce que je peux, mais vous allez voir que c'est assez rigolo. Donc c'est vraiment, c'est pour les hardcore, hein. faut vraiment aimer ça. Mais voilà, donc ils l'ont refait en HD, c'est un vieux jeu qui date d'il y a presque 10 ans. Ils l'ont refait en HD, ils ont élargi l'écran, puisque normalement ça se joue sur un écran vertical, oui, vertical. Je me trompe toujours. Alors regardez, la visée normale ou inversée, c'est-à-dire en fonction de la façon dont on oriente l'hélicoptère, on peut viser de traviole. Et ça c'est pas mal, je trouve. Voilà, démonstration tout de suite, regardez, je me mets sur le côté et après je bloque mon tir. Et me voilà déjà qui me prend une balle à la première seconde. C'est un bullet time, je crois que c'est le record. Allez, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un bullet time, on le revoit. Et me voilà déjà qui me prend une balle à la première seconde. Ah bah voilà, il y avait longtemps qu'on n'en avait pas eu, mais l'accueil dès le début. Le Marcus, incroyable, j'ai même pas fait un mètre et j'ai déjà perdu une vie. Donc bon allez, je vais essayer de me rattraper. Donc vous voyez, l'écran est vachement large par rapport à la version d'origine, pour ceux qui l'ont connu sur les bandes d'arcade, ou même qui l'ont connu, je crois que c'était sur Dreamcast, Alex, hein, ça vient de la Dreamcast, cette histoire. Oui, oui. Donc voilà, c'est plus joli, un peu plus joli, la Dreamcast assurait déjà à l'époque, mais surtout, c'est tout a été... Oh, non, 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 c'est... Ouais, c'est un deuxième bullet time, on le revoit, il y avait une balle dans l'écran, une seule, et je me la suis mangée. Ça sent le chapeau poulet, mes amis, croyez-moi. C'est assez terrible. Bon, allez, je vais me concentrer un petit peu. En plus, ce genre de jeu nécessite de la concentration. Ah, il y a des petits lags de temps en temps quand il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde à l'écran. Je sais pas si c'est fait exprès pour nous permettre d'avoir le temps d'esquiver les balles. Enfin, pas moi, mais aux autres, aux gens qui esquivent les balles. Oh non, j'ai rien esquivé. Bon, j'arrête avec les bullet time, parce que sinon, on n'en sortira jamais. Voilà, donc but du jeu, bah, tirer sans arrêt, ça marche bien, c'est assez efficace, surtout sur les trucs comme celui que je viens d'abattre qui regorgent de munitions, qui peuvent vous permettre d'avoir des adversaires, plusieurs adversaires d'affilée. Voilà, là j'ai utilisé ma petite smart bomb, histoire de calmer tout le monde, et en fait quand j'arrête de tirer, je recharge mon arme secondaire. Vous voyez la petite jauge verte en bas à gauche, qui est rouge maintenant, voilà. Quand elle est verte, ça veut dire que mon arme secondaire est prête à être utilisée, voilà. Vous voyez la petite option qui se balade à côté de moi, qui tire avec moi, qui m'aide. Alors elle a une durée limitée évidemment, pas toute la vie cette histoire. Mais en tout cas voilà, le principe est pas mal. Il y a plusieurs armes différentes évidemment, des armes secondaires. Et il faut essayer de se préparer en fonction de ce qui arrive et d'utiliser évidemment la meilleure arme au meilleur moment, comme toujours. C'est de tous les shoots et tous les shmups. Ah, ça me rappelle mon enfance. J'adorais, notamment Silkworm. Mais un Jeep, une Jeep et un hélicoptère, on pouvait jouer à deux. Et ça, vraiment, je trouvais ça fabuleux. Là, on peut jouer à deux. On va même jouer à deux, Alex, puisque tu m'as forcé. Je vais... Oh non,
Je vais me faire tuer par ce boss de fin de niveau. Oh, j'arrive. Continue. Allez, viens, oui, voilà, viens tout de suite, c'est même pas la peine de continuer. Mesdames, messieurs, Alex Pilote. Yes. Bonjour. Alors, tu kiffes ce jeu, hein? Alors, ouais, merci, merci Marcus de le montrer un peu dans l'émission. Alors, attends, je vais aussi. Oui, mon micro est bien. Ton micro est branché, tout est branché. Donc, je te propose qu'on passe en mode arcade parce que moi qui suis un puriste. Tu ne supportes pas ce mode. Si, je le trouve très sympa, mais je pense que c'est le mode arcade qui est le plus sympa à montrer. En tout cas, c'est celui que j'ai le plus fait. Tu peux faire start et faire ce que tu le jeu. Voilà, puis c'est parti. Hop, voilà. Donc, ouais, toi, c'est tu veux retour aux sources, ouais. Le truc que tu as connu dans les salles d'arcade. Moi, je l'ai connu en fait parce que j'avais fait un documentaire pour Game One sur les shoot 'em up. Ouais. Et au moment où je suis allé dans le studio qui s'appelle Greff, ils étaient en train de développer ce jeu-là. Donc, du coup, évidemment, nostalgie. J'aime bien ce mode-là et j'étais content de pouvoir me l'acheter en download. D'ailleurs, je le trouve trop cher en download. C'est vrai, il y a 40 euros, un peu oh moins. Oh là, oui, c'est cher. Ou 41. Oh là là, c'est cher pour un shoot. Surtout que t'as vu les menus qui sont. Les menus, c'est la main de l'Est. C'est noir et vert, on serait dans un épisode de. Oui, puis même quand on veut choisir son vaisseau, il est même pas dessiné à l'écran, il y a juste son nom de code. Enfin, c'est minimaliste. Alors, d'ailleurs, à propos des hélicos, tu vois, on n'a pas le même en fait. Toi, tu as l'hélico, on va dire, le plus simple pour les débutants. J'ai des missiles guidés en fait. C'est ça, tu tires en permanence des missiles à tête chercheuse. Moi, c'est pas le cas. Mon hélico ne fait pas ça. Donc, juste, j'ai le rouge moi. Voilà, pour que les gens puissent te suivre. Par contre, en contrepartie, mon tir frontal est légèrement plus fort que le tien. Voilà. Mais moi, il faut que je vise par contre. D'accord, alors moi, je peux arroser. Voilà, et ça fonctionne. Ça va dans tous les sens. Une petite précision aussi, les vaisseaux sont, les hélicos, pardon, sont assez importants à l'écran, mais il n'y a que le point de masque de collision qui est sensible, qui est au centre des pales. D'accord, l'hitbox, c'est juste le centre des pales et c'est tout. Si la queue se fait toucher, il ne se passe les rien. Ailes, il se passe absolument rien. Tiens, là, je vais dégommer le petit obus. Paf, ça fait péter. Ça fait péter le gros canon. Le gros canon. Et voilà. Et tout de suite, à l'époque, j'étais vraiment séduit par les graphismes. Alors aujourd'hui, c'est sûr, ça fait un petit peu dépassé. Mais quand même, regarde les petites fumées, voilà, des tanks qui explosent et ensuite qui volent au vent. Et hop, après les explosions, les fonds se dissiper. Je trouve que c'est vraiment des idées. C'est bourré de petits détails, voilà. C'est vrai. C'est très détaillé et ça n'a jamais été refait après. Hein. C'est très original en fait. Tiens, regarde là-haut, tu vois le tank avec les obus, voilà. Oui, j'en ai eu un tout à l'heure, moi, comme ça. C'est ça. Bien tout fait péter. Mais quand on le dégomme, ça fait des réactions en chaîne pour dégommer tout ce qui est autour, c'est pas mal. Bien vu mes leçons tout à l'heure. Voilà, là je prends la roquette, je sais pas si t'as vu. C'est l'arme secondaire la plus puissante du jeu. Ouais. Mais en contrepartie, elle met longtemps à charger. Tu vois, là elle est pleine, donc dès que je vais tirer, voilà, ma roquette va sortir et boum, ça détruit l'hélico en un coup. Et ça dégage une méga bombe. Ah, une bombe, hop, je la prends. Non, c'est moi qui t'ai piqué. Tu l'as eu? Bravo. Voilà, c'est comme dans les jeux d'arcade de l'époque, tu sais, on se met pour ce bonus. Voilà. Dans Ikari Warrior, moi je me souviens, c'était ça, c'était la guerre. Qui prendra la mitraillette en premier? Et le tank. Le tank, et bien sûr, on monte dans le tank. Donc voilà, alors il reste quand même relativement accessible. C'est vrai que t'as perdu 2 vies au début, oui, mais tu parlais en même temps. Je pense que voilà, si on a envie de se lancer dans le shoot 'em up, c'est pas le plus difficile pour commencer, c'est pas mal. Et donc, il y a toute une partie stratégique parce qu'on nous oblige à ne pas tirer parfois pour lancer l'arme secondaire. D'accord. Enfin, on réfléchit un petit peu. Voilà, c'est pas bourrin. Il faut se dire, bon, ben voilà, là, je me permets de ne pas tirer pendant quelques secondes pour charger mon arme secondaire. Donc, d'ailleurs, je vais le faire. Voilà, c'est ça. Mais oui, t'as raison parce qu'on a le boss qui arrive. Voilà. Et je vais lui lancer tout de suite un gros missile. Voilà, il a déjà perdu un quart de sa barre. Oh bien. Ah, ben là, tu t'es fait. Ah, moi, par contre, il m'a rébouillé avec ses pales. J'utilise pas assez ma petite smart bomb. Oh là là, là je t'ai sauvé. Voilà. Donc alors quand on utilise la smart bomb, on est invulnérable pendant un petit moment. Donc autant en profiter quand ça chauffe. Pour arrêter de tirer pour charger son arme secondaire. Et en plus oui, t'as tout à fait raison. On peut charger l'arme secondaire pendant ce temps-là. Tiens, je lui envoie un deuxième missile. Là à mon avis, ça va lui faire très très mal. J'ai l'impression, alors je vais pas dire de conneries, mais j'ai pas mal joué quand même. J'ai l'impression que le boss est plus résistant à deux. D'accord. Les dégâts que je faisais avec le missile sont moins importants que quand j'étais tout seul. C'est bien, c'est calculé pour qu'on puisse jouer avec ses amis. C'est adapté. Oh, il s'est écrasé. Regarde-moi cette explosion. Ils sont pas les voilà. Et je me souviendrai toujours du mec que j'ai interviewé, donc le créateur du jeu, qui disait, ben moi, pour moi, un bon shoot 'em up, c'est on tire sur l'ennemi et ça explose dans une belle grosse explosion. Il a mis voilà tout ce qu'il aime dans le shoot 'em up, c'est-à-dire voilà, il faut qu'on sente voilà des déflagrations. Il faut que ça pète. C'est ça qui est bon. Là, ça réussit, ça pète. Ça pète. Donc, il n'est pas très long, il n'y a que 5 niveaux, mais ils sont tous différents. Et je les trouve bien foutus parce qu'il y a beaucoup de situations différentes, il faut apprendre un peu les patterns. Là, voilà, attends, là, je vais te sauver parce que t'étais. Oh là là, oui. T'étais visé par une grappe de balles.
Donc tout ça, c'est esquivable. Hein. On peut passer entre, hein, mais oh là là, c'est chaud. Ouais, mais moi, j'arrive pas. Moi, je suis le roi de l'esquive ratée, en fait. C'est ça le problème. Donc, alors, on peut croiser les effluves pour faire des tirs croisés. Les efficaces. J'aimerais bien changer d'arme secondaire. Dans ce niveau-là, je préfère le canon. Donc, je vais le prendre là. Voilà, j'ai pris le canon. Donc, le canon, c'est l'arme moyenne. Il se charge relativement vite. Et en fait, l'arme secondaire tire des petits boulets de canon. Et il en tire, je pense, 6 ou 7 avant de disparaître. D'accord. Donc, c'est pas mal parce que le missile, quand même, il a un inconvénient. Il est très puissant. Mais quand ton arme secondaire rate sa cible, t'es dégoûté. Ça servait à rien. Ouais, tu l'as laissé. C'est one shot, quoi. Voilà, c'est ça. Alors que là, celui-là, il est quand même pas mal. Moi, j'aime bien trouver. Donc, tu vois, là, par exemple, là, je suis mal placé parce que le porte-avions m'empêche de tirer sur les ennemis. Donc, d'accord, on va faire le tour. Voilà, il faut quand même faire attention à bien se placer. Et pour ceux qui se posent la question, il n'y a pas de différence entre le sol et le ciel. Hein. Il y a des jeux, tu sais, où tu vises au sol et au ciel. Ouais. Là, c'est tout pareil, quoi. On considère que tout est sur le même plan. Alors là, j'ai mes petites habitudes. Normalement, je n'utilise pas mon arme secondaire tout de suite. Je fais d'abord les petits tanks qui sont là. Et ensuite, je laisse charger mon arme secondaire parce que ça va... Il y a du lourd qui arrive après. Ouais. Il y a beaucoup de monde, voilà. On aurait pu, tu m'aurais dit, on serait répartis, je me serais occupé des petits hélicos. Et là, tu t'es pris un tir de... Ah, il a fait mal, celui-là. Heureusement, il y a des crédits. On a des continus. Alors, des continus qui se gagnent, en fait. Ouais, alors ça, c'est un système sur les shoot'em up, c'est vraiment ces années-là. Au début des années 2000, je crois que ça a commencé avec Radiant Silvergun, et c'était aussi le cas avec Ikaluga et Gradius 5. Plus tu joues, plus t'as de crédits. Donc tu vois, là, on a commencé avec 9 crédits, mais quand j'ai acheté le jeu, j'avais que 2 crédits. D'accord. Et toutes les 2-3 heures, ils te donnent un crédit en plus. Pour te récompenser de ta fidélité. C'est ça. Et donc, plus ça va, déjà tu progresses parce que tu commences à être meilleur. Et en plus, t'as plus de crédits, donc tu vas plus loin, quoi. Donc c'est agréable, j'aime bien ce... Il faut préciser que t'as amené ta console carrément pour qu'on ait les sauvegardes et qu'on puisse jouer avec un maximum de crédits. Parce qu'avec moi, ce serait déjà fini l'émission, là. Oh là là, je fais n'importe quoi, j'ai lâché ma Spark Bomb carrément dans le vide. Alors que tout allait bien, il n'y avait aucune menace. J'ai tapé un petit coup de parano, je suis désolé. Donc encore une fois, là, on voit, j'aime beaucoup les explosions qui poussent les fumées, en fait. Ça donne, je trouve, un rendu graphique vraiment intéressant. Oui, ça suit le sens du vent et le souffle des explosions. Quoi. Ouais, c'est ça. Si on regarde vraiment les détails, il y a même des petits bouts, des petits éclats qui sont envoyés dans les airs et qui font des traînées de fumée qui eux-mêmes sont soumis à la même dynamique. Il y a une espèce de physique, toi qui aimes bien les moteurs physiques dans les jeux. Je trouve que là-dessus, c'est vraiment un régal. C'est agréable de tirer et de dégommer. Par contre, et que ça explose, surtout. Peut-être que c'est un peu... je trouve que ça fait assez... c'est pas très second degré. Non, c'est clair. Tu vois, il y a des jeux comme Flying Hamster qui sont quand même plus second degré, plus rigolo. Là, c'est très guéguerre. Il y a Parodius, tout ça. Ça, c'est quand même assez guéguerre de base, quoi. C'est pas très... Et alors, c'est le scénario, c'est la guerre entre deux pays... C'est un scénario ridicule, ouais. Deux pays qui sont en trêve, puis la trêve est rompue, et donc on t'envoie mettre la branlée au pays adverse. Ah, d'accord. Donc là, ça commence à chauffer. Donc lui, c'est le boss, si je dis pas de conneries. Donc voilà, on va nettoyer. Je vais charger mon arme secondaire. Voilà, et je vais faire le même. Ah oui, je vois les petits débris dont tu parlais tout à l'heure. Donc là, lance pas ton arme secondaire tout de suite. Ah, tu l'as lancé un peu tôt parce qu'il n'y avait rien à l'écran. On va attendre un peu. Ça se recharge. Tu vois, t'as un canon, mais il tire dans le vide là. Ouais, oui, ça sert à rien. Voilà, là, je vais la lancer là, tac, parce qu'il y a un gros truc là. Voilà. Mais toi, avec tes missiles. Bon, là, j'ai vu qu'il y avait un gros truc, un gros tir. Frontal de mortier qui t'arrivait dans la figure, donc j'ai envoyé. Et tu m'as sauvé, mais je crois que j'aurais esquivé. Hein. Ouais, t'aurais pu, ouais. Mais tu sais que les grosses boules, elles allaient éclater en plein de petites boules après. Ah, d'accord. Donc... les grosses, je les avais esquivées. Ouais, mais après, on sait pas trop. N'hésite pas à utiliser tes bombes, t'en as 4. Et je te rappelle que chaque fois que tu perds une vie, les 4 bombes partent avec. Oui, voilà, c'est ça. Donc, autant les utiliser. En fait, j'utilise dès que je vois que ça tourne mal. Tu vois, là, par exemple, je vois une grappe qui arrive. Je me dis, bon, si vraiment je vois que je la passe pas. Même ça m'aide en plus parce que ça me permet d'aller tout de suite gratter la tourelle là, qui est en fait le centre névralgique du boss. Donc plus je la gratte à l'avance, plus à la fin on gagne du temps. Ah d'accord, tu gagnes de l'avance sur ton boss de fin de niveau. Ça c'est très très étonnant. Non, pour l'instant, là, c'est très rare dans les shoot'em up. Tu peux déjà abîmer le boss de fin de niveau avant d'y d'accord. C'est un trailer de ce qui va lui arriver quoi. Ça. Oh, boum! Donc là, ouais, là, il y a les missiles à tête chercheuse, donc je pense que c'est bien de les nettoyer. Ça y est, je suis prêt avec ma petite arme secrète. Donc les gens qui ont fait ça, pour ceux qui aiment les shoot'em up, ils ont aussi bossé, ils ont l'habitude de bosser avec Treasure, en fait. Donc ils ont travaillé sur Ikaluga et Gradius 5, qui sont quand même deux des meilleurs shoot'em up des années 2000.
Il n'y en a pas beaucoup, quand tu me dis. Gradius, moi j'ai toujours aimé Gradius. C'est mon jeu préféré. Mon shoot'em préféré. Donc là, avec Katakis, la version de R-Type sur Amiga qui s'appelait attention. R-Type. Et voilà, regarde, tu vois combien de temps il a tenu. Il y a la barre de vie qui est arrivée, elle est partie immédiatement. Donc ça, c'est très kiffant. Bien niqué. Et alors là, attention, petit détail sympathique. Voilà, t'as la pluie qui retombe, mais en fait, c'est l'explosion qui a soulevé l'eau de la mer et ça fait retomber l'eau de la mer. En pluie. Voilà, en pluie. Ils ont pensé à tout. La première fois, j'ai pas compris. Je me dis, tiens, il pleut. Et petit à petit, mais je crois que c'est Radigo qui me l'a dit. Il m'a fait, ouais, t'as vu l'eau de la mer qui retombe. Je fais, ah, mais ouais. J'avais pas compris. Des artistes, des poètes, hein, on peut dire. C'était des gens trop qui ont poétique fait ça pour moi. Tu les as rencontrés, les programmeurs, du coup. Donc voilà, j'ai rencontré les gars. Ils sont hyper passionnés. Si tu veux, c'est un peu les No Life du Shoot'em Up. Ils ont fait leur premier jeu, Border Down. Et ils ont mis tout leur argent dedans. Et ils se sont dit, bon, on va peut-être crever. Ils étaient sur le point de crever, mais on s'en fout. Au moins, on aura fait le jeu de Noir. C'est leur Final Fantasy à eux, quoi. Ouais, c'est ça. Mais il a eu moins de succès que Final Fantasy, évidemment. C'est plus une niche, mais bon, belle niche, quoi. C'est vrai que ça fait plaisir de retrouver ce genre de truc. Oh là là, comme j'ai esquivé comme une bête, mais ça n'a eu qu'un temps. On n'a plus de bombes, donc on est un petit peu. On est un petit peu victime. Un peu vulnérable, je voulais dire. Bon, voilà, je suis mort. Donc, j'ai de nouveau 3 bombes. Donc là, c'est quand même pépère, hein. On a plein de crédits et tout, c'est amusant. Ouais, évidemment, mais, c'est... Ben voilà, au bout d'un moment, quand tu joues, quoi. T'as envie de le finir en un crédit, c'est l'objectif. Ouais. Puis si t'y arrives, t'essaies de le finir en une vie, puis ainsi de suite, tu vois. C'est l'escalade. Tu peux aussi simplement essayer de tuer le boss final. Comme moi, déjà arrivé au bout, voilà. C'est déjà c'est énorme, de quelque manière que ce soit. Ouais, mais du coup, c'est un peu cher, je trouve. Oui, parce que les shoot'em up, c'est plutôt dans les 10 euros d'habitude, ouais, voilà, en téléchargement. Là, il y a une version boîte, en fait. C'est ça, au même prix en plus. Donc autant prendre la boîte. Ouais. On est comme ça, on est collectionneur. On ne l'est pas. J'avais beaucoup aimé Cinemora, moi. Tu l'avais joué sur Xbox ? Parce que je crois qu'il est que sur Xbox et j'ai juste joué un petit peu à No Life, mais j'ai pas pu vraiment le faire. Écoute, il est vraiment très très beau et je pense. Oh là là, comme t'es audacieux là en même temps. Ouais, oui. Il est vraiment très très beau et bien foutu aussi. Je pense que ça te plairait. Je l'ai pas montré dans chez Marcus, je l'avais préparé pour le montrer dans une émission. Et je crois qu'il y avait plein de sorties, je m'en souviens. J'ai dû choisir et malheureusement on n'a jamais montré Cinemora, mais téléchargez-le, il vaut vraiment le coup. Et pour ceux que ça intéresse ce jeu, il y a une très très belle critique de Sengan sur No Life Online, ouais, qui explique bien mieux tous les détails du jeu, évidemment le game system tout en détail avec les petits zooms qui vont bien pour bien comprendre. Quoi. Et là il s'énerve. J'étais pas concentré, je comprends mon problème, hein, effectivement. C'est pas facile. Alors là, on va voir une vraie saloperie. Il faut faire très gaffe à lui. Faut pas se mettre en face. Il a un tir frontal. Un énorme canon. Et là, hop, voilà, bien joué. Ouais, oui, j'ai senti que moi, quand ça tombe mal, je lâche ma smart bomb. Je crois que moi j'ai. Oh là 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 là. Ouf. Moi, je l'envoie mon gros missile. Paf. Oh, bien joué, Alex. Voilà, donc il fait moins le malin. Là, on s'en est bien tiré. Hein. Parfois, quand je suis seul, je mets plus de temps à. D'où l'idée d'avoir des amis, Alex, ouais, dans ça. La vie. C'est toujours mieux. C'est la première fois que je joue à deux, en plus. Mais surtout, c'est la première fois qu'on est tous les deux dans l'émission. C'est ça qui me fait plaisir. J'étais déjà venu, tu sais, pour oui, mais on était à plusieurs. Ouais, on était toute une troupe. Là, c'est la première fois qu'on est tous les deux, enfin. J'avais fait le catch aussi. Après des années de chez Marcus. Enfin, on se retrouve. Ouais, j'étais un peu obligé pour ce jeu. Désolé, mais j'avais vraiment envie de le montrer. J'ai passé un super moment dessus. Et... Non, puis en plus, on voit bien que t'es passionné. On voit bien à quel point c'est kiffant quand on aime les shoot'em up, ce genre de truc, quoi. Ouais. Ah, merde. Moi, j'aime ça, mais en touriste. Donc, tu je trouve le temps très que sympa. Je, mette je vais essayer. Non, mais malheureusement. Mais c'est pas grave, on continue. Alors, par contre, là, tu vois, quand on est mort, on revient au dernier checkpoint. D'accord, un petit peu en avant. Okay. Un petit peu en arrière. Bon, j'ai récupéré une bombe. Tu vas laisser se charger. Et ça confirme exactement ce que tu disais. On a fait une partie avant, quand même, pour que je t'explique les règles et tout. On est allé beaucoup plus loin, on a perdu beaucoup moins de vie. Hein. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est la malédiction de chez Marcus. Attention. À partir du moment où. Ah je à partir du moment où des gens là. Nous regardent, évidemment, c'est beaucoup plus dur. Ouais, et puis on papote, on veut tout montrer, on veut tout expliquer. Et... Voilà, exactement. Ah, mais voilà. Souvent, je suis frustré dans chez Marcus parce que. Non seulement je joue beaucoup mieux quand les gens ne me regardent pas, mais ils expliquent plein de trucs. Ta frustration. Et du coup, ça doit t'énerver sur les forums quand il y en a qui disent « Ah, il fait exprès d'être mauvais pour faire de l'audience ou sur des trucs. » J'aimerais bien faire exprès. Mais c'est malheureusement pas le cas. Non, ça va. En plus, j'en profite pour le dire, Marcus n'est pas mauvais aux jeux vidéo. En fait, il est tout à fait normal, il joue même très bien à certains jeux comme Mario Kart. Mais effectivement, voilà... La pression du direct. La caméra, le spotlight dans la tête, tout ça à la fois fait que. Ça n'aide pas, c'est vrai. Je
pas très très bon non plus, mais là où ça me fait mal au cœur, c'est vraiment quand c'est frustrant, quand il y a un jeu que j'ai vraiment envie de montrer, j'ai plein de choses à dire et tout, et pour une raison X ou Y, ça rate. Et puis, le spectateur quand il regarde aussi se rend pas compte, mais quand t'es concentré sur un discours, t'es vraiment concentré sur le discours, et donc ton personnage peut rater 15 fois, par exemple, la bonne sortie, le spectateur il se dit, mais c'est évident, c'est là, mais alors que quand on est dans le truc, on le voit pas forcément. Ouais. C'est vrai. Ah, nous voilà dans la tranchée de l'étoile noire. Ce boss est très, très marrant, je trouve, il a plusieurs patterns pour le battre. Donc, alors j'ai envoyé un petit missile déjà pour commencer. Essaye de ne pas t'approcher de lui pour l'instant. Fais gaffe, il envoie des missiles à l'arrière. Ah oui, et le but du jeu, c'est d'abattre ces missiles qui vont s'écraser sur lui. D'accord, on va dévier le tir des missiles. Voilà, et ça va lui faire beaucoup plus de mal. Oh là là, ouais, bon, là on passe devant. Là, on est encore plus en danger parce qu'il est derrière nous. Oh. Et là, il n'y a que toi qui lui fais du mal avec les missiles à tête chercheuse. Tu ne mets pas trop. Voilà, bien, tu as réussi à lui détourner le missile sur son aile. Ça, c'est très très bien joué. Bon, on envoie des grosses bombes comme des gros lâches. Ouais, mais c'est pas grave. Il a perdu un moteur, je crois qu'on le tient, je vais faire le moteur de gauche. J'envoie l'arme secondaire pour le terminer. Voilà, il est presque mort. Ouais, c'est bon, on l'a vu. T'es sûr? Ouais. Je veux bien dire. Donc ouais, les boss, ils sont tous très caractéristiques. Hein. Voilà, un bateau, un hélico, un avion, enfin une tourelle un peu plus tard. Et le boss final, il est juste mythique. Il est vraiment... Je sais pas si on y arrivera, mais... Ben, c'est bien, si on n'y arrive pas, ça laissera un peu de... Du suspense quand même, parce qu'on aura montré beaucoup de choses. Pour les spectateurs qui auraient envie de jouer. Donc oui, ça s'adresse pas à tout le monde, je pense. Toi, tu aurais peut-être pas pris. Pas à 30 euros. À 10 pour rigoler, oui, mais à 30, 39 même, tu as dit. Ouais, peut-être. Non, quand même pas. Ouais. Parce que vraiment, il y a des... Enfin, moi, je suis pas un expert du shoot. Voilà, mais pour ceux qui ont aimé... Ça les vaut pour ceux qui aiment Et pas forcément... Pas besoin d'être un super fan hardcore de shoot 'em up. On peut aimer simplement les jeux d'arcade de l'époque et trouver son bonheur là-dedans, hein, sans souci. Et puis à l'époque, on mettait bien plus que 39 euros dans le... Et vraiment, moi, j'ai joué longtemps, hein, j'ai refait mes parties chaque soir, je me disais, je fais une partie. Et c'était agréable, hein, j'ai rejoué, j'avais pas de lassitude, hein, je le refaisais. À chaque fois, j'apprenais mes patterns. Tu progresses. Voilà, je me disais, tiens, cette arme-là, elle est mieux pour tel boss, cette arme-là, elle est mieux pour tel boss, c'est vraiment très très chouette. Bah, le plaisir du shooting, quoi, tout simplement. Et c'est pas non plus, tu sais, la mode des... On appelle ça les Manic Shooters ou les Dan Makout, tu sais, tu te souviens des Smiles? Ouais, ouais. Avec des balles partout. On n'est pas non plus dans cet excès, tu vois. Ça reste encore. Voilà, parfois c'est un peu chargé, évidemment, mais c'est pas non plus la folie. Il y a plein de trucs agréables. Par exemple, quand tu te prends une balle et que tu meurs, il y a une petite pause. Et comme ça, tu sais comment t'es mort. Ça t'est jamais arrivé dans un shooting de dire merde, je suis mort. Oui, mais tu sais pas qui t'a tué. Voilà. Ouais. Et ben là, tu sais, il y a pas de doute, quoi. Tu vois qu'il y a une balle qui t'a. Un peu comme la death cam dans les FPS. Oui, c'est ça. Tu vois le salaud qui vient de te planter une balle entre les deux yeux. Exactement. Bon, là, j'y suis allé à la smart bomb, hein, puisqu'on en a quatre. Donc là, par exemple, il y a du vent, il y a du blizzard dans ce niveau, et on voit bien la fumée, les arbres qui suivent. Ouais. Qui suivent le blizzard. Un petit train. Oh, ouf. Oh. J'ai tenté plusieurs techniques. Hein. Au début, je me mettais toujours en bas de l'écran pour avoir plus de temps d'esquiver. Bah, là, et ça paye ou pas? Mais si, la tête chercheuse. Bah, au bout d'un moment, j'ai commencé à me mettre en haut et à me mettre très proche des ennemis pour les tuer. J'ai l'impression que ça va plus vite, mais je suis pas sûr. C'est peut-être juste mon imagination. En tout cas, c'est des essais sans arrêt pour arriver à quelque chose. Voilà. Après, il faudrait que j'aille sur GameFAQ pour voir toutes les stratégies de combat. Quoi. Il y a des vidéos de gens qui se filment en train de... Ouais, j'ai regardé sur YouTube Under Defeat et je suis tombé sur des super plays vraiment impressionnants. Tu sais, il y a une arme secondaire que tu peux orienter aussi. C'est-à-dire que l'arme secondaire se met dans l'angle... Comme l'hélico, quoi. Comme l'hélico au moment où tu la lances. Donc le mec lançait l'arme secondaire vers la droite, se mettait vers la gauche et faisait tout seul un tir croisé en suivant les... Enfin bon, c'était vraiment... C'est fort, le tir croisé tout seul. Ouais, c'est vraiment très très, très chouette, quoi. Ah mais c'est sûr que quand vous connaissez bien le jeu... faire des petites merveilles. Lui, il résiste un peu trop à mon goût. Voilà, nickel. Voilà, ça c'est fait. Là, on en profite pour charger l'arme secondaire. Ouais. Toujours, dès que ça se calme, moi, je charge l'arme secondaire. Ça, elle sera prête. Donc, tes missiles à tête chercheuse nous aident quand même énormément. Oui, c'est vrai que ça nettoie beaucoup, quoi. Oh là 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 là. Et Radigo me disait, tu sais, il adore le shoot'em up, ouais. Et me disait avec les yeux rêveurs et plein d'amour pour le shoot'em up, m'a dit, je crois que c'est la plus belle smart bomb que j'ai jamais vue de ma vie. Oh. En fait, la smart bomb, je sais pas si t'as vu, d'abord, elle fait une lumière qui pousse les tyrannies. Vas-y, fais-la, là, parce que t'allais mourir, justement. Ah mince, trop tard. Alors, regarde comment elle fonctionne. Attends qu'il y ait quelques tirs à l'écran. D'abord, elle envoie les valdinguer les tyrannies. Vas-y, balance. Et ensuite,
Il y a une espèce de souffle nucléaire. De flamme qui vient tout balayer. Et on voit encore les pales des hélicos qui surnagent à travers Et c'est vrai que c'est sublime. Hop, esquive. Là, on peut passer entre ces trucs-là, mais c'est vraiment super. C'est chaud, quoi. C'est étroit. Il vaut mieux les défoncer. Heureusement, parce que je pensais que j'arriverais jamais. Je trouve qu'il y a quand même un défaut. On peut pas savoir quelle arme secondaire on a tant qu'on tire pas. Ça m'énerve. J'aimerais savoir toujours ce que j'ai, quoi. Y a pas un petit. Non, faut savoir. Quelque part. Enfin, peut-être que je l'ai pas vu. Faut te souvenir de ce que tu as pris. Ouais, peut-être que je l'ai pas repéré, hein, c'est possible. Mais j'ai pas vu, en tout cas. En tout cas, elle l'écrit dessus. Bombe. Ça, c'est bien traduit, parce que tout n'est pas traduit correctement, tu m'as dit. Oui, il y a notamment une merveilleuse phrase, voulez-vous sauvegarder les données sauvegardées? Donc, je fais oui, hein, oui. On te demande, hein, mais bon, c'est pas. Ah, y a personne. C'est pas très clair. Oh là 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 là! Allez hop. Ceux-là, les missiles, enfin les tirs, batteries, là, les orques de Staline, c'est ça. C'est un cauchemar. Ils sont vraiment, vraiment durs. Allez hop, ils sont chargés. T'as vu, il y a nos ombres en bas. Ah non, vraiment, il y a des détails. Mais alors, je sais pas comment t'arrives à voir les détails en jouant, toi. Parce que, je les découvre aussi. Là, je suis pas à fond. Je suis un peu en mode de montrer des trucs. Donc, du coup, je découvre moi-même des petits détails que je voyais pas avant parce que j'étais dans le jeu. Effectivement, on voit pas tout du premier coup. Allez, on arrive aux tourelles. Ça devient un peu plus dur. Hein, fais gaffe. Alors là, les éclairs, je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est juste esthétique parce que j'ai l'impression qu'ils nous font jamais de mal, en fait. Voilà. Deux smart bombs, je pense que je vais utiliser. Quand je vois ce qui arrive en face, je me dis non, mais ça ne s'esquive pas, ça, humainement. En fait, faut vraiment s'imaginer que voilà. Il n'y a que le centre, quoi. Le centre des pales d'hélicoptère qui touche. Tout qui le reste, doit, qui doit passer au travers. Exactement. Mais même comme mais ça. Mais même comme ça, ça paraît. Surtout qu'il se déplace rapidement l'hélico, donc du coup, pour vraiment bien se placer, c'est dur. Ça, le masque de collision qui a réduit au fur et à mesure de l'évolution des shoot'em up. Je trouve que c'est une bonne chose parce que sur Gradius et R-Type, la balle elle te frôle et t'explose, c'est très énervant. Je préfère qu'il y ait un peu de tolérance. Mais c'était logique en même temps, non? Ah oui, c'est... Plutôt que pas trop savoir. Au moins là, les choses sont claires, moi je. Ouais, bah Gradius, je trouve que c'est un peu too much parce que parfois la balle elle te touche même pas que. Quand t'as un masque de collision plus grand que le vaisseau, c'est vraiment dégueulasse. Oh là là, ça serait pas le boss de fin de niveau ça. Alors, et je le trouve très rigolo parce qu'il a un. Regarde, il a un espèce de projecteur rayon laser. Si je me mets dans le projecteur, bon bah je suis mort. Voilà, tu vois, il t'aveugle et tu vois plus rien. Ah, ok, bah je lâche. Sauf mes tirs ennemis. D'accord. Alors j'ai trouvé la technique imparable quand je suis tout seul. Bon bah là on est à deux donc ça marchera pas, mais quand je suis tout seul, ma technique qui marche hyper bien, c'est je me mets en face et je bouge plus. Et quand il tire ses salves de tir, bah, je passe entre les gouttes en fait. Parce que je bouge pas. D'accord, oui, tu vois où t'es, ok. Bah non, parce que je me mets vraiment au centre et comme il. Je sais pas si tu vois, il tire autour du laser en fait. Ouais, ouais. Si t'es en plein dans le laser. T'es forcément pas toucher, dans le tir. Voilà. Et viens, on se met tous les deux au centre, on essaye ma technique secrète. Alors, viens, on se met au milieu, complètement. Et mets-toi là. Sur moi, peut-être complètement. On se met ensemble. On bouge plus. Ah, arrête de bouger. Voilà, bouge plus. Très bien. Là, j'ai eu peur, donc je l'ai envoyé, mais on est bien placé. Bouge plus, c'est un safe point. Tu crois? Ouais, bouge pas, il va tirer. Voilà. Le problème, c'est les tirs de côté, quoi. Eh oui. Donc, si il y a des tirs de côté. Oui. Non, reste sur moi. Tu vois, ça va marcher. Ah merde, il tire sur le côté. Attention, voilà, il va tirer. Et normalement, c'est bon. Oh, les boules rouges là, j'aime pas trop. J'ai fait une petite esquive sur le côté. Mais quand même, je me décale un peu parce que. Bon, voilà. Ça marche à moitié. On est resté longtemps quand même. Il est tombé en centre, touche pas. Voilà. Oh là, c'est beau ce que je suis en train de faire. Magnifique. C'est à l'ami du Rodriguez. C'est un Rodriguez, on le revoit, les amis. On revoit ce Rodriguez. Ça faisait longtemps. Après deux boulet time en début d'émission, c'est bien la moindre des choses. Rodriguez. C'est pas beau ça? Comme bravo Marcus. Ah, merci Alex. Comme et en plus c'est un travail d'équipe. Hein. C'est comme la natation synchronisée, là on était bien placés tous les deux. C'est vrai qu'il y a un petit côté. Donc je conseille ce spot. On se met là, les balles nous passent autour et dès qu'on est un peu en danger sur les balles sur les côtés, on envoie une bombe. D'accord. Et du coup je le termine en une vie. Paraît raisonnable. Ce boss. Et là on va le décapiter. C'est le dernier boss ou non, on arrive maintenant au dernier niveau.
Là, c'était le quatrième. Et maintenant, on arrive au niveau 5. Mais quelle heure il est? Parce que du coup, tu n'as pas surveillé l'heure comme tu ne filmes pas. Ah ben, mais tu sais qu'on peut faire autant qu'on veut. Non, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Peut-être qu'on va pas spoiler la fin du jeu. Ou alors on monte juste le début. Le début. Ouais, il y a quelque chose d'intéressant quand même qui montre encore une fois les gens. Enfin, ceux qui ont fait ça, ils aiment. Ils aiment faire des jeux vidéo parce qu'ils ont une idée que j'avais jamais vue dans un shooting. Bah, ils ont enlevé les bruitages. Là. Ah oui. Comme si c'était le générique de fin déjà. C'est ça. On tire et y a plus rien. Et petit à petit, pendant qu'on joue, les bruitages reviennent doucement et après ils reprennent leur place habituelle. Et la première fois que je suis arrivé au niveau 5, j'ai senti ça comme une récompense. Genre, oh putain, je suis arrivé jusque-là. Quoi. Un peu de calme. Comme tu sais, dans ton jeu que tu as fait il y a quelques semaines, là où. God Mode. Voilà, à la on fin, arrive. Après... Bon, on a le cadeau. Bah, après c'est l'enfer, on a une petite musique très calme. C'est un peu ça. Oui, oui, c'est vrai. Mais ce sont des esthètes du shoot 'em up. Ouais, vraiment très sympa. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de suite. Est-ce qu'ils ont travaillé sur d'autres projets depuis? Ouh là là. Ben, j'ai l'impression, je crois que bien que oui, mais je serais là, de tête, je ne pourrais pas te dire. Et j'ai pas l'impression qu'ils ont une activité très, très importante, parce qu'ils ont continué la sous-traitance pour Konami, ce genre de choses. Voilà. Bon, ben écoute, on va peut-être pas tarder. La musique est repartie. Là, voilà, la musique est repartie et les bruitages aussi. Oh, je viens de faire une esquive superbe, écoute, je propose ton... On s'arrête là, on reste de crédit quand même. Allez, on continue. Non mais écoute, tellement de fois tu m'as laissé continuer pour des jeux qui ne méritaient ouais, pas, de jeux qui fait. Aussi aux spectateurs le soin de faire découvrir tout seul. Oh. Parce que là, ils ont déjà entre vu regarder et le faire, de toute façon, il y a quand même une grosse différence. Hein. C'est vrai. Donc là, profitez des détails, les petits amis, admirez. Bon d'accord, mais alors, on se met une condition, on n'utilise plus de bombes. Plus de bombes, plus de smart bombes. Plus de smart bombes. Ok, ok, allez, d'accord. C'est le challenge, faut tout esquiver. Évidemment, les scoreurs, les gens qui veulent vraiment faire du score, n'utilisent jamais la smart bombe. Mais oui, parce qu'à la fin des niveaux, ça te fait des bonus points. Tiens, d'honneur. Ben non, c'est pour les points. Parce que plus t'as de bombes à la fin, plus t'as de points. Donc, c'est même pas pour le style, hein, c'est vraiment pour le score. Quoi. Est-ce qu'il y a un record? Est-ce que t'as ton record à toi? Non, je joue pas au score là. J'ai joué jusqu'à ce que j'ai réussi à battre le boss. Et j'ai réussi à le battre, mais bon, avec 10 crédits quoi. Donc, y a pas de. Mais quand même, il y a quand même un petit challenge sur le boss de fin, c'est qu'à chaque fois que tu perds un crédit, tu dois le refaire de zéro quoi. Et il a 4 formes différentes, il est compliqué. Donc du coup, j'en ai bavé. 4 évolutions comme un Pokémon. Voilà, c'est ça. Bah, il tourne dans un sens, dans l'autre. Putain, j'ai utilisé une bombe. Bah oui, non. On avait dit pas les vêtements. Ouais, mais voilà, tu vois, tout de suite, je parle et c'est mon les réflexes, voilà. Ah, alors que moi, j'ai bien pris une balle. Ah, j'ai honte. Sans tricher. Allez, j'utilise notre avant-dernier crédit. Putain, là, j'ai esquivé deux il fois. Il ne reste plus qu'un crédit pour deux. J'ai esquivé deux salves de tir qui étaient vraiment limite. Ah, attention. Ouf. Putain, là, je sais pas comment je suis passé. J'ai vu ses moteurs. Oh, et moi non plus, je ne sais pas comment je suis passé, mais je suis passé. Alors, quand j'entends AM parler, quand il parle de ses runs sur les choses up, il parle de chemin. C'est-à-dire qu'il joue tellement. Il a son chemin par cœur, c'est-à-dire qu'il sait qu'il est à droite, à gauche. En fait, il voit pas un écran avec des balles, il voit un écran avec de l'espace entre les balles. D'accord. Et il prépare son chemin à l'avance. Et parfois, on l'entend dire « Ah ben là, j'ai fait un truc carrément audacieux, j'ai pas pris mon chemin habituel. » Mais toi, tu vois pas les différences, évidemment. c'est exactement pareil. Et ça, je trouve ça vraiment étonnant d'arriver à un tel niveau de connaissance du jeu pour avoir son chemin prédéfini. C'est vraiment impressionnant. Donc là, tu vois, le décor, il avait une fonction parce qu'il nous empêchait de tirer sur le train. À travers le pont, on peut ouais, pas voilà, tirer sur le train. Ouais. Donc on est obligé de se mettre sur le côté. Il y a des problèmes avec le décor. Oh, Alex, au secours. Là, ça devient bien chargé. On n'est pas très loin du boss de fin de niveau. Bon, bah. En tout cas, moi j'aime beaucoup l'idée de se mettre sur le côté pour tirer sur le côté, tout ça. Je trouve ça vachement bien. Et ça apporte vraiment quelque chose dans les deux d'intéressant. Sens. Ouais, oui, c'est original, ça n'a pas été fait avant. Enfin, shoot, on tire toujours droit devant et puis c'est tout. Là, vraiment, on peut aller se foutre sur le côté. C'est comme un dérapage, c'est comme Ridge Racer. Ouais, on fait des petits dérapages sur le côté pour mieux négocier un virage. Je tire quand même très très vite. Lequel de nous deux va survivre? Je pense que ça va être toi. Voilà, ils sont trois en plus là. Ouais, ils sont trois, ils tournent. C'est ce passage que j'ai vu en vidéo sur YouTube, il était vraiment très très impressionnant. Il n'y avait pas un instant où le... Allez, je prends le dernier crédit. Allez, c'est parti. Ouais, je vais prendre la bombe. Très efficace. Attention. Oh là 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 là, oui. Bon, je pense qu'on a survécu. Hein. Oh, oh là 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 là, bien joué. Heureusement que t'es arrivé, voilà. Au moment où t'as repris une vie, ça fait disparaître les balles à l'écran, on appelle ça du bullet canceling. Chez les. C'est,
C'est une sorte d'amnistie. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, bah, j'étais dans la merde. Ça m'a carrément sauvé la vie. Là, pareil, tu vas nous faire disparaître les balles. Voilà, merci. Oh là là, allez. Ah, nous arrivons à la base de fin de niveau. Il n'est pas commode du tout. Voilà, comme ça, on l'aura vu. Alors, je propose l'utilisation des bombes ouais, là, vas-y, maintenant. Ouais, t'as le droit. Histoire qu'on le voit un petit peu, parce que ce serait bête de crever maintenant bêtement. Bah, il a plusieurs formes. Donc d'abord, il faut dégommer toutes ces tourelles. Et après, bah, tu vas voir, c'est encore de la très belle mise en scène. Après, il se retourne et là, tu dis « Ah ouais !» Ah, quand même. Ouais, non, c'est vraiment super. Deux tourelles, une chacun, je pense celle de gauche. Oh non, 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 qu'est-ce que je vais me foutre au milieu de tout ça, moi? Ouais, c'est pas malin. La musique, en plus. Ça déchire. Voilà, c'est bon, donc on n'a plus qu'à attendre. Qu'est-ce que monsieur va bien se retourner? Et là, tu vas voir la gueule du canon, tu vas tout de suite comprendre. Ah non, c'est même pas ça, c'est même pas ça, c'est même pas la forme finale. Il a encore un canon plus puissant qui arrive après. Donc déjà, là, ça va être chaud. Si celui-là est pas le plus puissant. Oh la vache! Tu vois le délire? Bah, j'ai plus de voix. Et après, il se retourne encore, et il y a, je t'explique un peu la suite, ouais, il y a encore un canon plus important, et qui attaque d'une manière originale, il tire, mais il tire pas sur toi, il tire au loin, et c'est les déflagrations de son tir qu'il faut éviter. D'accord, c'est tordu. Eh ben c'est beau, merci Alex. Merci Marcus d'avoir accepté de présenter ce jeu. C'était un vrai bonheur. J'espère que ça vous a plu les petits amis, ce bon vieux shoot them up des familles. Under defeat. Sur et finalement, PSN. On n'a pas été si defeat que ça puisqu'on est arrivé presque voilà, au bout. Un peu trop cher quand même. Ouais. Un peu cher. Attention. Mais sympa. Voilà. A bientôt les petits amis. À bientôt. Soyez sages. Ciao.